Près de 20 stations de télévision du monde entier se sont connectées jeudi soir avec Gethsemane pour revivre en direct ensemble avec les franciscains et les nombreux fidèles rassemblés dans la basilique l'agonie du Christ dans le jardin des Oliviers et à s'identifier avec ses propres sentiments lorsqu'il a veillé seul en attendant d'être arrêté. Le custode de Terre Sainte, Pierre-Baptiste Apizzaballa, a présidé la veillée dans une église bondée de fidèles venus de partout au monde. C'est ce caractère international qui a marqué chaque instant de la célébration. Les prières, la lecture des évangiles et les hymnes. Et cela pendant plus d'une heure, avec le regard sur le rocher qui est désigné comme étant l'endroit exact où Jésus pria incessamment au Père, jusqu'à la sueur de son sang. C'est très spécial d'être ici. Nous venons d'aller au jardin de Gethsemane. Et c'est très émouvant de penser que ces choses se sont passées à Jésus ici pendant ces mêmes heures. Tellement de choses ont changé après ce moment, pour les gens, pour le monde, pour l'histoire. C'est difficile de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Nous n'en savons qu'une petite partie. Le reste est un mystère. Toute la vie est un mystère. De voir tous ces gens prier ici capture mon attention. À marcher ici, à Gethsemane, c'est incroyable de penser que Jésus-Christ était ici. C'est formidable d'être ici à Pâques. Ça a un sens très particulier de se rappeler l'agonie du Christ à Gethsemane. Je suis ici aussi en préparation à mon ordination. Je considère ça une vraie grâce de pouvoir être ici. Après l'heure d'adoration, comme à chaque année, la procession organisée par la paroisse latine de Jérusalem s'est mise en marche. Malgré le mauvais temps, nombreux étaient ceux qui prirent des bougies et traversèrent la vallée du Cédron jusqu'à l'église de Saint-Pierre en Galicante. On suppose que se trouvait en cet endroit la maison de Caïphe, où avait été conduit Jésus après son arrestation. C'est un dernier geste pour commémorer le reniement de Pierre et réfléchir aux trop nombreux reniements de tous les jours et de chacun d'entre nous.